contre l'esprit de la maladie. Qui ça pour me faire? Pour me capable de mener bataille là, contre la peste. Dis-moi comment pour me camper, pour mener bataille là, et pour me gagner la victoire. Et bon Dieu a révélé. Je n'ai pas de temps dans le message aujourd'hui à partager tout le bagage avec nous. Selon grâce, mon Dieu fait, je vais tourner sous ça. Mesdames, Messieurs, salut. Nous avons continué avec une série de messages nous sur le psaume 91 autour du thème « À l'ombre du Tout-Puissant ». Nous espérons que nous sommes bénis et nous encourager pour capable suivre la série et partager avec vos amis, avec vos familles. Et ça va pour vous-même, une source de grâce et de riches bénédictions. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux de la terre. Pour aller rentrer dans la parole, bon Dieu, pour matin, dis bon Dieu merci pour le soutien que nous recevons de vous-même pour prier ou et pour façon ou qu'un bénou, nous même ensemble avec famille nous. Dieu en tient le raconte. C'est pour bon Dieu capable de bénir. Maintenant, pour les besoins de la cause, pour capable ouvrir Bible rapidement avec nous, nous sommes à la cinquième déclaration ou bien cinquième et message nous dans la série sous somme 91 là. Et la dernière fois, nous t'ai parlé des terreurs de la nuit. Donc nous allons continuer. Et pour les besoins de la cause, Nabli, les versets 5, 6, 7 et 8. Nous ne pouvons pas tout, mais nous voulons attirer attention sur verset 6 là. Mais pour capable aider, mettez-vous dans le train, nous prenons verset 5, 6, 7 et 8. Et nous demandons, si vous faites ça, relons amis, dites ces messages là. Bali, eh bien, adresse-la, partagez-la, et comme ça, la va servir une bénédiction pour un frère avec ce nom. Mais qui sa parole, mon Dieu, dit? Il dit comme ça, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Nous pourrons arrêter sous verset 6 là, qui dit, verset 5 et 6 là, deuxième partie de verset 5 là, qui dit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Merci Seigneur pour grâce dans la vie nous. Sois élevé, sois honoré en ce moment de la prédication, que ce soit pour la gloire de Dieu et le salut des âmes, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Après l'instinct de survie, l'instinct maternel est l'instinct le plus fort chez les humains. Bon, dis ça encore. Après l'instinct de survie, l'instinct maternel est l'instinct le plus fort chez les humains. On le retrouve également chez les animaux qui démontrent parfois un courage surprenant face aux prédateurs plus forts pour protéger leur bébé. L'instinct maternel a toujours existé, mais la nomenclature remonte au 19e siècle. Il désigne l'étape psycho-affective d'une mère qui manifeste un comportement protecteur et sécurisant vis-à-vis de son enfant. On enregistre quelquefois des cas pathologiques où la mère agit au détriment de sa progéniture. Elle frappe, elle harcèle, elle abandonne. La Bible affirme cette réalité et confirme parallèlement l'inaltérable attachement de Dieu envers ses enfants. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Sigmund Freud, médecin et psychanalyste de renom, dit à ce sujet, « Chez la fille, il n'est pas de désir plus grand que celui de la protection par le père. » Et je n'en disconviens pas totalement, mais il faut admettre que le désir de protection n'est pas une affaire de sexe, c'est un besoin humain. Mais comment combler ce besoin et ne pas tomber dans la panique devant la pléiade de malheurs qui nous environnent? C'est cette problématique que nous nous proposons de développer dans la cinquième partie de la série sur le psaume 91. Nous parlerons autour du thème « Sois sans crainte ». L'auteur du psaume 91 nous fait une présentation de Jéhovah comme un Dieu puissant, si puissant et compétent
si fort et extraordinaire qu'on est amené à se demander, est-ce que ce qu'il dit de Dieu est réel? L'état semblait que promesse ça y est trop belle pour y vrai. Pourtant, Dieu ne ment jamais. Ses promesses sont certaines et véritables. De ce fait, ce n'est pas l'auteur qui parle et nous raconte des histoires. C'est le Saint-Esprit qui parle par lui et nous révèle le cœur de Dieu à notre endroit. L'auteur insiste sur le fait que le monde est un espace dangereux, un environnement miné et piégé. Mais il veut aussi nous enseigner que Dieu désire et que Dieu est capable de nous protéger. Après les menaces des terreurs de la nuit viennent celles de la flèche et de la peste. L'expression « la flèche qui vole le jour » t'a semblé indiquer un temps de guerre où la nuit est remplie d'appréhension et le jour chargé de combats ou de périls. « Terror by night, arrows by day ». En oplologie, l'oplologie c'est la science qui étudie les armes et leur maniement, on fait une distinction entre trois types d'armes. Gui, ça aurait les armes de mêlée. En deuxième catégorie, il y aurait les armes de jet. Et il y a cette dernière catégorie qu'on appelle les armes à distance. Stay with me now. Une arme de mêlée est une arme utilisée dans les combats rapprochés. Ça aurait le close combat ou le combat au corps à corps. Elles incluent l'épée, la hache, les lances, les pioches et les marteaux parmi d'autres. Pour adversaire à atteindre, laisser les âmes ça l'a utilisé, l'a obligé prêt. C'est ça que fait y aurait les âmes ça, aux âmes de mêlée, les âmes ou utilisées dans le combat au corps à corps. Pour frapper, l'a besoin tout prêt. Pour le frapper, l'a obligé rapprocher. Pour le péter fiel, faut qu'il rentre dans ton espace, faut qu'il rentre dans ton intimité. Pour le capable prendre, faut gagner ta confiance et même devenir ton ami. L'âme de la mêlée, c'est pas âme, aïe aïe aïe, n'importe ennemi utilisé, son âme souvent qui utilisée par les soi-disant amis, parce que pour moun atteindre avec âme ça, faut que son monde qui prête. Gon coup, ou apprendre dans la vie, c'est pour moun loué qui a baoul, son monde qui prête. Bon, deuxième catégorie âme, il y aurait les âmes de jet ou de lancer. Également appelées les armes de jet. Une arme de lancer est l'utilisation dans les combats. Une arme de lancer est généralement utilisée dans les combats à distance moyenne. Bon, me dis-le encore. Une arme de lancer ou bien une arme de jet, ce type de armes sont utilisées généralement dans les combats à distance moyenne. Dans cette catégorie, où joignent le javelot, où joignent la grenade, ou joindre les bouteilles explosives pour adversaire à atteindre, il n'est pas obligé trop loin et il n'est pas obligé trop près. Pour le frapper, il n'est pas obligé bon côté. Pour le péter ciel, pour le péter ciel, il n'est pas obligé yon zami intime. Pour le prendre, il n'est pas besoin d'un espace qui est près. Zame léa, son zame que li ka utilise nos distances moyennes. Mais bon, l'autre type de zame. Les armes à distance. Les armes à distance qu'on appelle en anglais range weapon, ce sont des armes qui sont utilisées à distance et qui demandent généralement des munitions. Dans la catégorie ça, nous avons ça ou les arcs. Arc là, ces armes, ils mettent flèche là-dedans pour les tuer. Ou tant de l'idou, ils prennent arc, ils bandent leur arc et puis ils tirent. Donc, les arcs, c'est ça ou les armes à distance. Ça veut dire. Côté mon nan yé ya, li pas obligé trop près, ni pas nos distances moyennes, côté li yé ya, le ka frappé ou. Ou jouen également, ne catégorie zam sa yo, yo yo des armes à feu. Et ou jouen, pour gen zam sa yo, fok, pour utiliser zam sa yo, fok, ou gen sa yo, les munitions. Ou a besoin, gen bagay, yo yo les cartouches. Ou a besoin, gen bagay, yo yo les balles. Ou a besoin de bagailles, il y aurait les bombes et ou a besoin de zame, si tout coup, dans zame, il y aurait les akla, ou a besoin de bagailles, il y aurait les flèches. Ou t'as dû comprendre, à ce point du message, que nous sommes dans le registre de la guerre. Moi, n'a utilisé matin, c'est pas chéri, amour, chouchou, doudou, cocotte.
Ce n'est pas mot ça qu'on a utilisé matin. Hein. Mot, on a utilisé matin, hein, c'est bombe. Mot, on a utilisé matin, hein, c'est grenade. C'est fusil. C'est revolver. C'est freine. C'est pique. C'est manchette. C'est épée. C'est javelot. C'est flèche. Je me sens pour me dire, aïe aïe aïe. Si vous êtes dans l'église, vous avez gardé les gens qui sont là. Et puis vous dites, vous êtes en bataille. Lorsque ma fausse de prière, et puis tout m'a dit Seigneur dans la bataille, couvre tête pour ne pas prendre coup, couvre comme pour ne pas craser. C'est parce que je connais un bon ennemi qui a toute qualité d'âme ça. Il y a des âmes de mêlée, quand elle a approché près pour frapper. Je connais des âmes à distance moyenne, que le côté n'est pas obligé de trop près, ni pas obligé trop loin pour frapper. Même connais tout, il y a des âmes à distance. Ça veut dire côté lié dans le monde invisible, là, qu'a frappé. Côté lié dans le monde spirituel, là, qu'a frappé. Même connais également, si ennemi a armé, bon Dieu n'a pas armé toujours. Amen. Je connais si ennemi a des âmes, ça bon Dieu n'a pas red. Amen. Et puis tout l'aime lui. Exode 15, verset 3. Et puis tout le temps de servitude a dit, l'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Conversion qui dit, l'Éternel est un homme de guerre. L'Éternel est son nom. Je sens pour me dire matin, bon Dieu, t'as mené bataille à vous. Je sens pour me dire matin, que bon Dieu a mené bataille à vous. Seigneur, amé, épelle nomel, couteau nomel, samni nomel, freine nomel. Que bon Dieu mène bataille à vous. Que bon Dieu rentre dans le combat pour vous. Que bon Dieu rentre dans la situation. Pour vous. Que mon Dieu défend nous. Que mon Dieu parle pour vous. Hey, que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que de Sion, il te soutienne. C'est pour mon Dieu paraître. C'est pour mon Dieu frapper bien. C'est pour mon Dieu never. C'est pour mon Dieu menacer ennemi. C'est pour mon Dieu forfait ennemi. Qu'on est, qu'on sait petit lit. C'est pour mon Dieu paraître. Et puis on dit dans la vie, arrêtez et sachez que je suis Dieu. I wonder why the text did not use the word sword. Me poser tête mes questions. Me dit pour toutes armes qui gagnent. Pour qui raison auteur a pas utilisé l'épée? Il t'a fait sens pour moi s'il te dit tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni les pets de l'ennemi. Ça t'a fait pile sens pour moi. Aïe aïe aïe. Ça t'a fait pile sens pour moi. Si, aïe aïe aïe, li te dit, pinga, m'pè. Tendez, oui, ça t'a fait sens pour moi. Si te dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni l'épée de l'ennemi, li t'a fait sens pour moi. Si te dit, tu ne craindras pas sa hache, sa pioche, son javelot ou son marteau. Li t'a dit, li t'a fait sens pour moi. Si c'est l'autre zam ni te utilisé, même poser tête moi question. Me dit, pour qui raison? Dans tous trois types de âmes, nous sommes parlés au yo. Des âmes de mêlée, des âmes de lancer ou de jet, des âmes à distance. Why, out of all types of weapons, que serviteur ou bien bon Dieu choisit d'utiliser, il y a des âmes qui ont les âmes de la distance, des âmes à distance. Il choisit d'utiliser la flèche pour dire. Pingampe. Yon nan bagay ou ta dwe comprendre. Ou ta dwe konnen ke zam, tande mwen, ou ta dwe comprendre ke zam ki pi danje yo, c'est pas zam pre. C'est zam loin. Then the Lord reveals something to me in the text qui me vient de par voie de la logique aristotélienne. Qui peut le plus peut le moins. Aïe aïe aïe. En anglais on dit he who can do more can do less. Ça veut dire si bon Dieu a délivré des âmes à distance, qui ces âmes qui sont mauvais, qui ces âmes qui prennent dans quelque soit distance et dans quelque soit lieu que mieux. S'il a délivré des âmes qui sont terribles, c'est pas tes âmes, c'est pas tes couteaux, c'est pas tes revolvers, hey, c'est pas tes complots que le pas mettre dehors là-dedans. Et me tendez mon Dieu qu'a dit, si mon Dieu pas quitter autour à balle, c'est pas à croche là quitter autour yo. S'il pas quitter autour à roche, c'est pas à couteau là quitter autour yo. S'il pas quitter au couteau yo à couteau, c'est pas à épée là quitter autour yo. S'il pas quitter autour à épée, c'est pas dans poison là quitter autour yo. S'il pas quitter autour dans poison, c'est pas à coute langue là quitter autour yo. Soit sans crainte, car Dieu est ton berger et ton bouclier. Oh God,
Thank you, Father, parce que vous avez une protection près. Thank you, Father, parce que vous avez une protection loin. En sorte que, quel que soit côté mien, moi protégé. Et me senti pour me dire, quel que soit côté, bon Dieu a veillé sur vous. Quel que soit côté, bon Dieu a veillé sur vous. Il est capable de maîtriser l'ennemi. Il est capable de contrôler l'ennemi. Il est capable de délivrer de l'ennemi. Il est capable de protéger du danger. Il est capable de faire des bagailles extraordinaires pour vous. Moi, je veux qu'on ait mon frère, que Dieu veille sur toi. Moi, je veux qu'on ait ma soeur, que Dieu veille sur toi. Quel que soit là où tu es, quelle que soit ta situation, quelle que soit ta condition, quelle que soit la situation dans laquelle l'ennemi te met, je veux qu'on ait que bon Dieu t'a délivré au nom de Jésus de Nazareth. Tu ne craindras ni la flèche qui vole le jour. Mais le texte l'a dit également, ni la peste qui marche dans les ténèbres. La métaphore de la peste est puissante. Nous sommes dans le registre de la poésie, certes. La poésie, c'est le langage de l'image. Mais l'auteur prête à la peste des pieds qui marchent. C'était with me now. Auteur, dis-moi que alors que flèche là, lui-même, il volait, son bagage, il voyait, mais peste là, son bagage cap marché. Est-ce que son figure de rhétorique, ou bien est-ce qu'elle a parlé d'une réalité autre? Mot peste, qui utilisait deux fois dans le texte là, lui, fait partie des éléments qui représentaient une menace pour l'humain. Lui fait allusion aux maladies les plus redoutées, tels que les épidémies et les fléaux. Généralement, aïe aïe aïe, moun toujours peur, ça qui a fait du mal. Et moun toujours peur, ça n'a pas qu'à contrôler. Bon Dieu pas dit que, aïe aïe aïe, bon Dieu pas dit ou pas peur parce que n'a pas qu'à faire du mal. Mais bon Dieu dit ou pas peur parce que li pas ba yo pouvoir sou. Bon Dieu pas dit au pas peur parce que au pas qu'a fait du mal parce que des moun yo fait mal. Mais bon Dieu dit ça que fait l'autre moun mal yo, lui-même l'a maîtrisé yo. Aïe aïe aïe. Dans le monde spirituel, les esprits fonctionnent et opèrent généralement en équipe. La mort est présentée dans la Bible comme un esprit. Ou lit dans Apocalypse 6 verset 8 par exemple, côté serviteur a dit, je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes. Comment? Par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Stay with me now. Dans la Bible, la mort est présentée tant qu'un esprit, une entité intelligente. Le cavalier de la mort, attendez, oui, le cavalier de la mort a des assistants, et parmi ses assistants des esprits, et parmi ses assistants des esprits qui l'aident dans son travail de destruction de l'humain. On compte l'épée, la famine et la peste. L'épée, c'est l'esprit de la guerre. La famine, c'est l'esprit de la pauvreté. La peste, c'est l'esprit de la maladie. Bon, dis-le encore. Nous disons ça. Aïe, aïe, aïe. Esprit l'en mort, li pas marché pour col. Li gagne des assistants. Li gagne esprit qui travaille en ce moment-là. Et esprit ça, li marché non trio. Et trio qui marché avec là. Gayon, y aurait les paix. Gon l'autre, il y aurait la famine. Et gon l'autre, il y aurait la peste. C'est toi, esprit, qui marchais avec l'esprit de la mort pour tuer le monde. L'épée, la famine et la peste. L'épée, c'est l'esprit de la guerre. La famine, c'est l'esprit de la pauvreté. La peste, c'est l'esprit de la maladie. Ou pour remarquer que yon ne bagay qui fait plus de morts sans les moun pour qu'on arrive pour yon mourir, c'est la guerre.
Allez checker les statistiques de la Première Guerre mondiale. Allez checker les statistiques de la Seconde Guerre mondiale. Ou après, ce sont des millions de gens qui sont morts. Et comment sont-ils morts? Ils sont morts par l'épée. Derrière la guerre, il y a un esprit. Derrière la guerre, derrière l'épée, il y a un esprit. Nabata derrière Bataillo, il y a un esprit. Derrière Gouméo, il y a un esprit. Esprit Sayorelel, l'esprit de la guerre. Et depuis ces mounes, où est qu'il remet que relais? Depuis ces mounes, où est toujours qu'on discussion la pleuve pour commencer? Depuis ces mounes, où est toujours à troubler la paix à tout le qu'on est que le mauvais esprit qui anime, il y a réel l'esprit de l'épée ou bien qui est l'esprit de la guerre. Esprit ça, c'est pas des dangers. Esprit ça, c'est pas des mounes ni tuer. Esprit ça, c'est pas des familles ravagées. Esprit ça, c'est pas des familles crassées. Les esprits ça rentre dans caille, il fait Marie à bataille, il fait Marie ba madame Sabo. Les esprits ça rentre dans caille, il fait madame prophète pour le voyer sous Marie, il fait yon râle couteau, il fait moun râle âme pour yon tuer moun. Ou tant des histoires comment des nèg qui râle âme qui tire madame, ou tant des histoires comment des madame qui râle couteau qui point à des nèg. Ça passé c'est que derrière go esprit qui travaille, yon râle l'esprit de l'épée qui est l'esprit de la guerre. La mort qui est des assistants. L'esprit qui travaille avec elle. Et on marche généralement en trio. Un trio infernal. Le paix, la famine et la peste. Le paix, c'est l'esprit de la guerre. La famine, c'est l'esprit de la pauvreté. Où est question pauvreté, hein? C'est pour bagaille pour petit bon Dieu terrain, mais même raï pauvreté. Question pauvreté a une façon de déshumaniser l'homme, de réduire à sa plus simple expression. Causer pauvreté a une façon de retirer la dignité humaine. Et puis tout le réduit l'homme à un état d'animalité. Question pauvreté. Hein? Des fois. Aïe aïe aïe, God. Pendant d'Haïti, sous compte comme un monde mourit. Yo dit que ça moun nan mourit pour être 25 ans. 25 ans, c'est ça nous relais ici là. Et un nickel. Mais comment moun mouri? Gen ki mouri? Aïe aïe aïe. Parce que yon pa gen l'argent pour yon acheter yon médicament. La famine, c'est yon manifestation de l'esprit de la pauvreté. Et c'est ça que fait l'évangile. Les recettes, mon Dieu, c'est pour pauvres, ou marcher à pantalon chiré, ou marcher pied à terre. Ça, c'est pas l'évangile, la Bible, là, moi-même. Mon Dieu t'a permis nos moments de difficulté. Serviteur, petit, le monde l'a formé. Passer par un mauvais moment. Mais c'est par la volonté de Dieu pour que l'homme vit toute sa vie dans la pauvreté. L'esprit ça, c'est un esprit qui fait pile dégâts. Le paix, c'est l'esprit de la guerre. La famine, c'est l'esprit de la pauvreté. La peste, c'est l'esprit de la maladie. Dans la Bible, vous jouez plusieurs côtés, trio s'apparaît. Les paraît dans Jérémie 24, verset 10, Esaïe 51, 19, Jérémie 15, 2, Jérémie 21, 9, Jérémie 27, 8, Jérémie 48, 17, Ézéchiel 5, 12, parmi l'autre côté. Trio ça, la peste, la famine et l'épée. Est quelquefois accompagné par trois autres six démons, selon ma compréhension, la captivité, la mortalité et les bêtes sauvages. La peste, c'est l'esprit qui apporte les maladies. La peste, c'est l'esprit
qui portait maladie. Je suis un homme de science, aussi qu'un homme de lettres. Mais je reconnais en tant qu'homme spirituel que des maladies qui pas naturelles. Des maladies, c'est pas un dysfonctionnement normal d'un organe que lié. Des maladies sont mauvais esprits derrière. Et je crois personnellement, derrière toute maladie, en général, qu'un mauvais esprit qui travaille. La peste, c'est l'esprit de la maladie. Maladie, c'est bagarre qui tue mon empile. Les statistiques révélaient que yon une maladie qui a fait pile dégâts dans le monde. Ce sont les maladies cardiaques. Ces maladies, cancer. Ces maladies, poumons. C'est ça, on est à CV. Maladie, ça y a fait dégâts. Et si on moune, pourquoi ouais, qui dégâts maladie qu'a fait dans le corps, en vérité, ou pourquoi chambre qu'on s'arrête l'esprit de la maladie. Maladie a son bagage qui te doit prendre un monde bien portant. Et puis tout le débat finit en seconde. Au point que la personne devient méconnaissable. Et me poser bon Dieu en question. Me dit Seigneur, ou dis-moi, tu ne crains ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Qui ça pour me faire? Pour me faire mener bataille là contre l'esprit de la maladie. Qui ça pour me faire? Pour me capable mener bataille là contre la peste. Dis-moi comment pour me camper pour mener bataille là. Et pour me gagner la victoire. Et bon Dieu révélé-moi. Je n'ai pas de temps dans le message aujourd'hui à partager toute bagarre avec nous. Selon grâce, mon Dieu fait, je vais tourner sous ça. Mais qui t'aime dire quelque bagarre que bon Dieu révélé. Je dis rapidement, je vais prêter sous yon. Après ça, on a fini le service là. Parce que nous avons un service encore, je vais pour aller manger à femme. Après ça, pour nous tourner plus tard dans le service 5h pour 8h. Bon Dieu révélé que pour me gagner victoire, sous esprit maladie, ou bien sous ça, la peste, m'a besoin d'apprendre numéro 1 pour m'obéir à la parole de Dieu. Deuxième bagaille, bon Dieu dit, m'a besoin d'apprendre pour me suivre les lois de la santé. Ou est-ce que deux bagailles ça? Si Adventiste te comprend, yo tap vive. Non, état de santé extraordinaire. Parce que bien avant que les scientifiques reconnaissent les vertus de ça, nous relais New Start, des lois de la santé, nutrition, exercice, l'eau, soleil, tempérance, l'air pur, le repos et le temps, bien avant que les scientifiques reconnaissent bagaille ça yo. Bon Dieu t'a été révélé à la servante, à une servante qui était la sœur Madame ou bien Madame Ellen G. White. Et lorsque scientifique a regardé ça, sœur White dit sous question santé, il a saisi pour y avoir une femme ou bien une dame qui n'a pas gagné instruction médicale pour te connaître autant de choses dans le domaine de la santé. Assez souvent, nous-mêmes adventistes, nous malades, nous frappons de la peste. C'est pas parce que c'est là la volonté de Dieu. Mais non seulement nous pas obéir à la parole, mais nous ignorons les lois de la santé. Conseil bon Dieu voyez pour nous dans l'esprit de prophétie nous pas prendre. N'a manger viande alors que moi-même quand pas la voilà, c'est des qui t'aimer cabri gris en pile oui. Mais qui te frappe cabri gris en pile. Même rendre moi écoute et c'est pas moi qui suspend manger viande tout comme non. C'est bon Dieu qui fait me comprendre. Côté le bras la femme, m'a besoin comme en santé parce que mon travail pour faire bouler ma voix ici. Et me senti pour me dire, il y a une stratégie Satan utilisée pour éliminer les hommes de Dieu, il a des maladies sur eux. Et des pour malades ou pas qu'à prêcher.
des pour malades ou pas qu'à travailler, des pour malades ou pas qu'à évangéliser. Et puis tout vous regardez, vous voyez un serviteur. Aïe, 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 tombé, diable. Esprit maladie tombé. Esprit qui sortit pour faire me camper, cela m'a encore arrivé tombé. Esprit qui sortit pour attaquer femme, tombé. Esprit qui sortit pour attaquer rime, tombé. Esprit qui sortit pour attaquer chèvre, tombé. Esprit qui sortit pour attaquer sang, tombé. Esprit qui sortit pour paralyser, tombé. Esprit stroke, tombé. Esprit maladie, tombé. Tout vieux esprit maladie. Tombe, au nom de Jésus. Mon Dieu, révèle. Il y a des bagages qui ont aidé nos batailles contre l'esprit de la maladie. Vous avez besoin de ce monde qui obéit la parole. Vous avez besoin de ce monde qui obéit les lois de la santé. Et il y a un livre tout adventiste à nous gagner, Pasteur B. C'est un livre qui aurait le ministère de la guérison. Ou a besoin qu'on se sente à son bagage qui est important. Il y a ce qu'on pour continuer à chanter, il faut gagner santé. Scap, pour continuer à jouer batterie, il faut gagner santé. Walby, pour continuer à faire tout le bagage, on a besoin de faire, il faut gagner santé. Andy, il faut gagner santé. Pasteur B, il faut gagner santé. Hey, Sendor, il faut gagner santé. Christine, faut gagner santé. Premier ancien, faut gagner santé. Sophie, faut gagner santé. Naomi, faut gagner santé. Équipe là, faut nous gagner santé. Parce que bon Dieu voulait que nous sommes déclarés sous la vie, nous toutes qui la net, santé surnaturelle, guérison surnaturelle, quelle que soit maladie, qui dérange l'école pour le faire, c'est noir, que mon Dieu mette pied sous coule, mais que mon Dieu mette pied sous coule, que mon Dieu mette pied sous coule en mort prématuré, que mon Dieu mette pied sous coule en mort cancer, que mon Dieu mette pied sous coule diabète, que mon Dieu mette pied sous coule hypertension, que mon Dieu mette pied, qu'elle mette pied sous coule stroke, qu'elle mette pied sous coule ACV, qu'elle mette pied sous coule maladie froid, que mon Dieu mette pied sous coulon, qu'elle pète fiel, qu'elle pète fiel, moi déclaré c'est pour vivre longtemps, au nom de Jésus de Nazareth, moi déclaré, esprit maladie pas tuer, esprit maladie pas finir avec, esprit maladie pas paralyser, esprit maladie pas dévorer, plan mon Dieu qui est dans la boule, c'est pour le réaliser, volonté mon Dieu c'est pour le réaliser, ça mon Dieu veut faire, c'est pour le faire dans la vie, au nom de Jésus. Quand on est à Caïwa, reçois la guérison surnaturelle. Quand on est dans Chamoua, reçois la guérison surnaturelle. Quand on est sous Kamana, reçois la guérison surnaturelle. Quand on est dans Cuisine, reçois la guérison surnaturelle. Au nom de Jésus. My God. My God. Pour Dieu révéler mon autre bagage. My God. Gardons sur mes chiens. Gardons présence, messieurs. Gloire à Dieu. Bon Dieu, révélez mon autre bagage. Nous seulement obligés, on a besoin d'obéir parole, bon Dieu. Nous seulement obligés d'obéir les lois de la santé. Gros bagage, vous avez appris nous l'entendre si vous ne pas fait. Vous avez appris à faire. Vous avez besoin de rendre grâce avant de manger, avant de boire de l'eau. Avant de manger. En vous boire de l'eau, prends manger à level devant mon Dieu. Dis Seigneur, béni. Levez Thuria devant mon Dieu. Levez plate Thuria le gymna devant mon Dieu. Levez plate Maria Sospoa devant mon Dieu. Levez plate Yamazaboka devant mon Dieu. Levez Chaudier le gymna devant mon Dieu. Hey, madame, bonhomme m'a fait manger. L'offre fait manger. En bon bâtiment, levez chaudière. My God. Prends chaudière Thuria. Prends chaudière Sospoir. Prends chaudière Malanga. Prends chaudière Véritable. Prends chaudière Tom Tom. Prends Pâté. Prends encore. Levez. Devant mon Dieu. My God. Levez Thuria devant mon Dieu. Et il y a des gens qui disent, mais pasteur, quand on joue une bagaille, ça on dit à la même. Ça on dit à la même, pasteur, quand on joue une. Bon, montre qui sa Bible a dit. Amen. Ouvrez la Bible avec moi rapidement. Oh, God. M'bagaille dans notre moi. Ce côté. Merci Seigneur. Bon Dieu dit. Non.
le livre de l'Exode. Exode 23, verset 25. Bon Dieu déclaré. Mettez-le pour moi, s'il vous plaît, s'il possible. Exode 23. Je crois ce texte-là, ça. My God. Thank you, Father. Exode 23, verset 25. Merci, Seigneur. Ou grand. Merci, Seigneur, pour mémoire, bon moi. Merci, Seigneur, parce qu'aucun des brins, moi, pour me faire service, service. Que nous on bénit. Moi, glorifions cet esprit. Moi, glorifions Dieu le Père. Moi, célébrons Dieu le Fils. Mais qui ça, bon Dieu dit? Dans Exode 23, verset 25. Bon Dieu dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. My God. Bon Dieu dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Et il bénira votre paix et vos os. Et pour qui raison le faire? Il dit comme ça, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Ça veut dire, les moi-même serviteurs, mon Dieu, prends au manger qui fait nos mêmes chaudiers. Qui a même valet sel. Qui a même valet épices. Les moi-même serviteurs, mon Dieu, moi prends une plate avoine. Et puis tout, amen. Mets strawberry là-dedans. Et puis tout, prends plate avoine, moi. Amen. À tout strawberry là-dedans. Amen. Et puis tout me lever devant mon Dieu. Et puis tout pendant que j'aime pas, ouais. Dans le monde spirituel. Bon Dieu, mets ton vitamine de grâce sous lui. Bon Dieu, mets ton vitamine de protection sous lui. Bon Dieu, mets ton bagaille qui fait jouer maladie dans moi. Hey! Bon Dieu, mets ton bagaille qui fait jouer cancer en temps. Et puis tout se garder, mon garder. Yo te des malades, même en forme. Yo te des malades, même en forme. Yo te des problèmes de santé, même en forme. Yo te des patates de énergie, même en forme. M'ka prêcher pendant une heure. M'ka prêcher pendant deux heures. M'ka prêcher pendant trois heures. M'ka prêcher pendant quatre heures. M'ka prêcher pendant cinq heures. M'ka prêcher pendant six heures. Yo m'a des côté énergie, ça sorti. Yo m'a des côté grâce, ça sorti. Bon Dieu bénit l'eau m'a mangé. Hey, bon Dieu bénit manger m'a mangé. Bon Dieu bénit l'eau m'a boué. Et puis tout déclarer. Maladie, campez loin. Maladie, cœur, campez loin. Maladie, tuer monde, campez loin. Maladie, stroke, campez loin. Maladie, dormi, pour mourir, pendant ma dormi, campez loin. Que mon Dieu, paye maladie là. Pour être loin caillou au nom de Jésus de Nazareth. Oh God, tu ne craindras pas ni la peste ni les terreurs de la nuit, ni la peste qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Seigneur, que ça m'a besoin de faire pour me camper contre l'esprit de la maladie. Bon Dieu dit, pour camper contre l'esprit de la maladie, qu'on l'autre bagarre a besoin de faire. On a besoin d'apprendre à pardonner les gens qui font mal. Et on a besoin, de prier l'un pour l'autre. Non, parce que quand on joue une bagarre, ça, en allant Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. Nous campons contre l'esprit la peste ce matin dans le nom de Jésus. Nous campons contre l'esprit maladie ce matin dans le nom de Jésus. Nous campons contre l'esprit qui a tué mon voyage mon aller en vent les hauts au nom de Jésus. Jacques, amen. Chapitre 5. Merci cet esprit que nous glorifions ce matin dans la vie. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. Thank you God. Et quelques bagailles me mettent dans notre lambaouel. Mais Dieu est grand. Tenez, ça le dit. Dans Jacques, chapitre 5. Jacques, chapitre 5, verset 16. Ça, j'aime tout comme ça. Pour camper contre l'esprit de la maladie, on a besoin de demander bon Dieu grâce. Son grâce liée, oui. Bon bagaille, on m'en fout. Si on ne joue pas une grâce devant bon Dieu, on ne peut pas pardonner là.
Tenez ça, bon Dieu dit. Jacques chapitre 5, verset 16. L'Éternel déclaré. Il dit comme ça, confessez donc vos péchés les uns les autres. Si quelqu'un qui te font bagaille, quelqu'un qui te font bagaille, on nous parle, on discute, let's talk about it. And after we have done talking about it, let's put it behind us. Il dit, confessez donc vos péchés les uns les autres. Il dit comme ça, et priez les uns pour les autres. Pour qui raison? Afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Quel monde qui t'a guéri déjà, oui? Mais son bagage au monde fort, ou pas, j'en voulais quitter l'aller. Et plus vous pensez à elle, c'est plus la cause au stress. Plus vous quittez le trouble, c'est plus vous affectez la santé mentale. Et tout le monde qui est dans le domaine médical connaît des maladies. Des maladies psychosomatiques. Qui s'allient? Son série de maladies qui affectent le corps et son série de maladies qui affectent l'esprit. Des maladies avant de rentrer dans le corps, les rentrer dans l'esprit. Et maladie pardon, maladie rancune, c'est pour maladie collier, son maladie l'esprit. Et puisque vous avez une relation, my God, puisque vous avez une relation entre l'esprit et le corps, maladie qui saute dans l'esprit, il rentre dans l'âme, il rentre dans le corps. Et puis tout bon Dieu dit, pour qu'à guérir de maladie ça, ou à obliger de rentrer dans un palais que psychologue aurait le The Healing Talk. Quand on chita au palais, et puis tout oublie, et puis tout l'offre comme ça, ou créer une atmosphère pour que la guérison de Dieu lui relâche dans la vie. Moi, je demande, c'est pour guérison, mon Dieu, couler dans la vie autant que rivière, au nom de Jésus. C'est pour mon Dieu, pour grâce, pour pardonner les gens qui font mal. Qui ça m'a besoin de faire, Seigneur? Parle avec nous, s'il vous plaît. Qui ça m'a besoin de faire? Il y a deux autres bagailles où tu as besoin de faire, même pas qui est en bas aujourd'hui, à ma bonne seul. Peut-être n'a tourné sur l'autre là en prochaine occasion. Ou l'autre bagaille où tu as besoin de faire, pour mettre maladie. L'esprit maladie campé loin, ou a obligé de rentrer en bas sans Jésus. Bible a dit en Exode chapitre 12, sur la terre de Goshen, bon Dieu relâchait l'esprit de la maladie. Bon Dieu dit maladie, fais dégâts. Bon Dieu dit maladie, marchez près. Et plutôt l'Éternel voit et plaît. Les 10 plaies de l'Égypte. Commencez. Rentrez en dans l'Égypte. Les 10 plaies de l'Égypte. Rentrez dans le corridor de l'Égypte. Les 10 plaies de l'Égypte. Rentrez dans l'eau de l'Égypte. Les 10 plaies de l'Égypte. Rentrez dans le manger de l'Égypte. Les 10 plaies de l'Égypte. Rentrez dans la bête de l'Égypte. Les 10 plaies de l'Égypte. Rentrez dans le monde de l'Égypte. Les 10 plaies de l'Égypte. Rentrez dans la caille. Faou. Et jusque là, watch this, please stay with me. Jusque là, pas jamais gagné un plaie qui affectait les enfants d'Israël. But when it came to the last one, when it came to the tenth one, when it came to the ultimate one, God said to Moses, niveau de protection a besoin pour plaire ça. Le plus passé niveau de protection qu'on te gagne pour l'autre. God said, pour survivre à plaire ça, gagne le premier qui passait déjà. Qu'on deuxième qui passait déjà. Ça c'est une révélation qui a parlé, c'est pas moi. Qu'on troisième qui passait déjà. Qu'on quatrième qui passait déjà. Qu'on cinquième qui passait déjà. Qu'on sixième qui passait déjà. Qu'on septième qui passait déjà. Qu'on huitième qui passait déjà. Qu'on neuvième qui passait déjà. Et jusque-là, nous tous te protégés. Mais dernier ça, pour dernier blessé qui va le passer, on a besoin d'une autre dimension de protection.
et demander, bon Dieu, quelle dimension de protection le peuple a besoin. Bon Dieu dit, it's in the text. Bon Dieu dit, Moïse, pour capable et de peuple là, chaper en bas, dimension sauvage, dernier plaît ça. Wap, dis-le pour moi, pour tout un agneau. Wap, dis-le pour moi, pour prendre sang agneau. Pour mettre sur la porte et sur le linteau. Et puis tout moi-même, l'esprit de la mort, elle va passer la nuit. Et puis tout l'Éternel dit là va ouais le sang. Et puis tout l'a passé par-dessus. Mes amis, message me fini. Ça nous est là pour qu'on aille devant ça qui est pour finir. Qu'on dimension de plaie qui est pour tomber sous la terre. C'est pas extraordinaire. Mais bon Dieu dit, aïe aïe aïe. Pour dimension de plaie, ça va fatiguer. Ça servi pour dernière. Là, c'est vous pour toute l'autre. Rentrez en bas. Est-ce que c'est pour me touiller en bête? Non. Est-ce que c'est pour me touiller en agneau? Non. Est-ce que c'est pour me touiller en bœuf? Non. Est-ce que c'est pour me touiller en cabrit? Non. Mais qui sent ma besoin? Et puis tout le monde, mon Dieu dit, on a besoin le sang de Jésus. Hey! Que le sang de Jésus protège au matin. Que le sang de Jésus touche au matin. Que le sang de Jésus couvre ta au matin. Que le couvre santé. Que le couvre madame. Que le couvre petit. Que le couvre caillou. Que le couvre bien. Que le couvre tout ça. Ou procéder au nom de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Sang, bonne protection. La journée, tant que la nuit. Sang, bonne protection. Dans le monde physique, tant que dans le monde invisible. Sang, bonne protection. Les mal dormis, tant que dans j'éclair. Au gage. Oh God. Et ça doit le sang. Son sang qui coulait plus que 2000 ans. Mais son sang qui va jamais perdre puissance. Puissance, il t'a gagné ailleurs. C'est même puissance là. Il t'a gagné. Nous espérons que nous sommes bénis par message ça. Nous encourager pour capable et bien continuer et bien utiliser plateforme ça pour capable prendre soin namou et enrichir spirituellement. Nous encourager également pour capable soutenir ministère ça. Il y a plusieurs façons capable faire ou capable via Zelle ou capable utiliser Cash App et ou bien droit utiliser voie postale et même PayPal dépendamment de côté et gens qui plus facile pour vous. Nous dit bon Dieu merci pour ministère ça que le mettez pour capable encourager les gens, former moun, édifier et ainsi pour nous capables de faire route là ensemble jusqu'à ce que le Seigneur revienne. En attendant que nous rencontrions encore, nous l'aguions dans deux plans, mes papa bon Dieu, et nous disons bon Dieu, remets-nous, nous remets tout. Bye bye.